I'm really honored to have that possibility to race on my own pavé. Ah, l'idée elle est simple, d'avoir mis le secteur, le plus long secteur du Paris-Roubaix au nom de John Degenkolb. Premièrement, il a sauvé la course junior en y faisant un appel aux dons, en mettant aussi lui à titre personnel de l'argent. Il a un palmarès quand même assez éloquent, il a gagné la course du Paris-Roubaix, il a gagné l'étape du Tour de France qui empruntait ces mêmes pavés. I'm ambassador for the Les Amis de Roubaix and they basically protect the cobblestone sectors, trying to renovate them when they are really, really bad, and that we can keep on racing on these historical sectors for years and years, more than 120 years these races going on, and we basically still race on the same roads, and that's something really, really outstanding and unique. En fait, oui, ça monte à 2-3 ans, je pense, que John est ambassadeur des Amis de Paris-Roubaix. Il y a 3 ans, aujourd'hui, en 2019, j'ai eu de grosses difficultés à réunir le budget pour organiser le Paris-Roubaix Junior. Et j'étais très, très surpris que ce soit un Allemand, entre autres John Degenkolb, qui est venu à notre secours en faisant une cagnotte participative. Et ça a été vraiment... super, super, super pour moi. Il a sauvé le Paris-Roubaix Junior, en fait. Et lui, il représente vraiment... il représente, comment ça s'appelle, un symbole pour la génération de son âge et surtout les jeunes. Donc, c'est un élément fort de la course. Et puis, je pense que lui, plus que les autres, John a cette course dans les veines. C'est les pavés coulent dans les veines et ça nous semblait parfaitement évident. It's just the passion what brings us together, and the joy of this particular race, and it's nice that it goes beyond a language or something else.